L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut importer un quiz réalisé QuizWizard dans Pronote. Donc ici, je suis sur mon compte QuizWizard. Je vais aller dans mes cours et je vais récupérer mes 60 questions sur la conception web. Donc là, je fais exporter et je lui demande un QCM pour Pronote. Il faut patienter un petit peu, hein, le temps qu'il génère le fichier XML. Je l'enregistre. Voilà. Ensuite, je vais sur Pronote, je vais dans Outils pédagogiques QCM et je fais Importer des QCM depuis un fichier XML. Et c'est le premier ici, Pronote Web. Voilà, donc ici j'ai bien mes 60 questions qui sont là. Si je fais un bouton droit ici, je peux ajouter des questions, je peux le dupliquer, je peux le modifier, changer son nom, le mettre dans une matière, comme n'importe quel autre QCM dans Pronote. Et même chose, si je clique sur une question, je peux la rendre obligatoire, je peux lui rajouter un intitulé, je peux la changer, je peux changer le barème, je peux changer les réponses possibles, comme n'importe quel autre QCM, et je peux associer le QCM à un devoir, exactement comme je l'aurais fait si j'avais construit le QCM directement dans Pronote. Et voilà!